Allez, salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spider-Man sur PS4. On se retrouve donc sur ce jeu. On quitte le mode photo. C'est parti. La mission la plus proche est ici à 500 mètres. Qu'est-ce qu'on devait faire déjà? Mode mission, si vous voulez. Mode mission, c'est là. Chinatown, un dessin secret. Oui. Donc du coup, il me semble que dans le dernier épisode, on avait joué Miles, le fils de Jefferson Davis, et on avait découvert que Martin Lee, c'était le chinois méchant, le chinois vilain, et nous voici arrivés où ça? Ah, on va jouer Peter Parker, il me semble, parce que là, on a pris les tenues et on va rentrer dans le foyer. Donc voilà, j'ai la tenue de Tony Stark. Ça fait plaisir. Une tenue qu'on a pu voir dans Spider-Man Homecoming et dans Marvel, dans Peter. Si tu gères cet endroit pendant que Monsieur Lee est absent, qui s'occupe de ton ancien travail? Moi. Mais un peu d'aide est toujours la bienvenue. Tu connais quelqu'un? Oui, ça se pourrait bien. Il s'appelle Miles Morales. Pourquoi ce nom me dit quelque chose? C'est son père qui a été décoré à l'hôtel de ville quand... Ah. Je lui ai parlé le jour de l'enterrement. C'est quelqu'un de bien, mais il traverse un moment difficile. J'ai connu un jeune homme comme ça, autrefois. Je me rappelle que ça m'a pas mal aidé de faire des choses. Ça pourrait l'aider aussi. Voilà le numéro de sa mère. Merci. Je lui passerai un coup de fil. Et t'as pas eu de nouvelles de Monsieur Lee? Non. Pourquoi? Pour savoir. J'ai encore quelques minutes devant moi. Je vais aller faire un tour et voir si je peux faire quelque chose pour t'aider. Oh, tu n'es pas obligé. Je sais, mais j'ai envie. Je devrais vérifier le bureau de Lee. Ah oui, il veut vérifier le bureau de Lee en cachette, parce que Lee est mauvais. Lee est un mauvais garçon. Lee est un voyou. Ah, son bureau est fermé à clé. Comment je fais pour rentrer? On va bien trouver une solution. On va essayer de rentrer discrètement dans ce bureau. Alors, est-ce qu'il y a... Ah, ici, je vois une bouche d'aération. Donc, du coup... Peut-être un conduit de ventilation. Ouais, il va falloir trouver conduit de vie. Ah, ici, parfait, il n'y a personne. Ok, il n'y a personne. Ben, c'est parfait, on y va comme ça. J'avais encore jamais vu cette pièce. Wow, c'est quoi ça? Ok, c'est électrique. Donc du coup, on va peut-être lancer... Pourquoi autant d'électricité? Un bordel de charge? Non, même pas. Et voilà. C'est bon. Ok, nickel, on est passé. Mais le numéro de compte se trouve... Ah, on peut regarder au-dessus. Je vous rappellerai dès que j'aurai l'information. Non, je ne veux pas vous donner de délai. Elle était au téléphone avec qui? J'ai pas entendu. Allez, c'est parti. On rentre dans le bureau de Martin Lee. On va bien trouver des petites informations ou quelque chose. Alors, voyons voir. Déjà, je vois qu'on va fouiller les tiroirs. Elle devrait être juste de l'autre côté de l'hôtel. Le journal de Lee. Une clé. Le journal de Lee. C'est écrit en anglais. Je me demande ce qu'elle ouvre. Ok, on a pris la clé. Maintenant, impossible de lire. On va regarder la photo. C'est Lee avec Tante May. Bizarre. Examiner la lettre. Lire. Cher May, vous allez bientôt entendre de nombreuses histoires à mon sujet. On va dire de moi que je suis un terroriste et un assassin. Et ces histoires sont vraies. Oh putain, il ment même pas. Mais l'histoire du fist l'est tout autant. Notre histoire, j'ai toujours cru en notre mission. Ce n'est pas une façade ou un faux semblant, mais quelque chose de sincère. Sauver une personne, c'est vraiment sauver le monde. Ne laissez pas mes échecs remettre en question ce que nous avons construit. Vous êtes forte, May. Assez forte pour écrire une nouvelle page de fest sans moi et mes erreurs. Merci pour tout, Martin.
Putain, j'ai failli chialer. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut fouiller ici? Le yin et le yang. C'est l'histoire de fantômes que son père lui lisait. Celle d'un démon qui ne pouvait être maîtrisé que par la voie de l'équilibre. Souviens-toi, disait le vieil homme. Seul l'équilibre te permettra de contrôler la puissance du démon. Sans équilibre, le monstre s'attaquera à quiconque essayera de le contrôler. Est-ce qu'on peut tourner les pages? On ne peut pas tourner les pages. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je peux fouiller d'autre? Ici, un genre de... Ah, mais c'est des vraies photos, là. Bah, c'est pas mal. La clé. C'est ici, la clé. Une sorte de serrure à énigme. Ok, c'est une sorte de serrure. Ça fait quoi? On va faire ça. Ensuite... Oh putain, d'accord. Ah, je vois. Ah, faut créer le yin et le yang. On y est presque, là. Faut créer le yin et le yang. Le problème, c'est que là, ça tourne. Ok, ensuite. Yes. Oh là 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 là, quelle facilité! Alors, une salle secrète. Voyons le vrai visage de Monsieur Martin Lee. Ok, une salle de psychopathe. Que vous cachez? Ok, donc ici, il y a quoi? Il y a une sorte de lance avec du pouvoir. Alors, on va regarder l'épée. Aux autres. Comment fait Lee pour les imprégner de son pouvoir? Induction bioélectrique? Déphasage par compression? Ok, c'est sûrement physique. On va regarder le masque. Lee est obsédé par les masques. Un truc de psychologie jungienne. Devenir quelqu'un d'autre pour évacuer ses instincts les plus sombres. Est-ce qu'il y a écrit démon? Démon. Jusqu'à en devenir un. Ok, ça on peut pas regarder. On peut pas regarder. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ah, ici. Il y a plein de trucs sur le bureau. On va regarder le dossier. C'est le dossier qu'MJ a trouvé à la salle d'enchères. Ça pourrait nous aider à comprendre les intentions de Lee. D'accord, ça montrait l'endroit où vous voulez faire péter. Je sens mon pouvoir qui augmente, nourri par ma colère. Mon père dirait que je m'écarte de la voie de l'équilibre, mais il n'a jamais compris. La seule façon de combattre un monstre, c'est d'en devenir un. Oh, c'est un psychopathe. C'est un psychopathe, le lit. Hein. C'est flippant. Y a rien derrière. Non, y a rien. On pose. Ici, le dossier. On peut pas regarder. Très bien, on quitte. Oh putain. Ah putain, y avait un piège. C'est une chambre de combustion pour détruire l'épreuve. Encore une. Pour détruire l'épreuve. Alors l'autre est où? L'autre est où? Je la vois pas. Échapper au piège de Lee. Ici. Ça doit être ici, je pense. Voilà, c'est bon. Si la police avait trouvé ça, ou mais. J'ose même pas imaginer ce qui serait passé. Est-ce qu'on est bon là? On peut se tailler? Okay. Par cette grille au sol. Ah, on peut passer par là. Ok, on arrive bon, à l'étage en dessous. Comment je sors de là? Ici sûrement. Bonjour, Peter. Monsieur Lee? Je croyais que vous étiez parti. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Martha, vous êtes là. Je vais prendre ça. Merci.
Mais je ne vais pas pouvoir rester, hélas. Je passais juste prendre quelques affaires. Vous avez sûrement appris pour l'hôtel de ville. Oui. Une tragédie. Peter y était. Il a eu beaucoup de chance. À un meeting d'Osborne ? Je ne savais pas que tu le soutenais. Enfin, tout ce qui compte, c'est que vous alliez bien, tous les deux. Exact. Mais les terroristes courent toujours. Qui sait ce qu'ils feront ensuite ? Oh, je ne crois pas que May et toi y aient quoi que ce soit à craindre. Oh, le faux cul. Tant que vous ne vous aventurez pas là, vous n'avez rien à faire. Bon, je dois y aller. Vous revenez quand ? Dès que j'aurai terminé. Oh, le faux cul, le chinois. Un sacré faux cul. Non, non, non! Ah, peut-être qu'il avait compris quelque chose. Va chercher tes affaires, Spidey! Voilà, comme je le disais tout à l'heure, on a la tenue de Tony Stark. Je vais essayer de bien vous la montrer. Elle est différente. C'est exactement la même que dans Civil War. J'ai enfin les preuves qu'il vous fallait. Allez au centre Fist de Chinatown. Et qu'est-ce que je vais y trouver ? Une dame adorable appelée May Parker. Et des trucs très bizarres cachés dans le bureau de Lee. Mais écoutez ça, il a prévu une nouvelle attaque. Où ça ? Et quand ? J'en sais rien, mais il va se servir d'un truc appelé le souffle du diable. Ça a l'air radical. Qu'est-ce que c'est ? Une substance créée par Oscorp. Sûrement une sorte d'arme biologique. J'ai un dossier complet là-dessus. Je le garde au chaud pour l'instant, mais je vous envoie une copie dès que possible. Ok, on fouillera son bureau. Si les preuves sont assez solides, je lancerai un avis de recherche. Ok. Salut MJ. Je vais aux nouvelles. Hé, Peter. Est-ce que je peux te rappeler ? Écoute, ça devrait t'intéresser. Pourquoi tu chuchotes ? Juste que je suis un peu occupée là. On fait le point autour d'un dîner chez moi. Pas de problème. C'est moi qui cuisine. Super, à toutes. Attends, tu te souviens quand tu m'as parlé du pouvoir de corruption par le toucher ? Je crois que je viens de le voir. Ah ouais ? De très sympathiques SDF m'ont sauté dessus. Bon, le truc, c'est qu'ils avaient les yeux brillants. Et ça m'a rappelé ce que Yuri avait raconté sur le garde qui a libéré Shocker. Donc Shocker travaillait bien pour Lee. Alors tout est lié. Et c'est pas tout ! Mais j'imagine qu'on en reparlera au dîner ? Ouais, à plus. Ok, on en sait un petit peu plus. Qu'est-ce que je vais préparer ? Qu'est-ce qu'on va préparer pour le dîner ? Alors, on va essayer de faire une petite tour le temps que une mission apparaisse. Mais c'est vachement cool d'avoir fait les tenues des films. Ah, Otto nous appelle. Peter, excellente nouvelle. Viens vite au laboratoire. Maintenant ? C'est le moment décisif. Ah, j'ai hâte de te montrer ça. Super, mais j'ai un dîner prévu. Je peux passer un peu plus tard ? Ton dîner attendra. Il faut qu'il voit ça, Peter. D'accord. J'arrive tout de suite. Ah, Otto, il est chaud. Otto, il a fait une nouvelle découverte. Je vais faire un tour. Juste quelques minutes. Allez, on arrive à la tour. Il faut que j'active d'autres tours. On a besoin de renforts à Times Square. Terminé. On va suivre le conseil que m'a mis Nolan en pratique. On va décrypter la tour. On se recueille et on rend hommage au héros disparu comme Jefferson Davis. Ok, c'est fait. Allez, on file voir Otto. Apparemment, il est chaud. Je mets tout sur le dos de Spider-Man. Alors non, je ne l'accuse pas pour l'explosion. Cet acte est celui d'un être lâche et immonde qui...
qui en est le seul responsable. Mais si nous voulons continuer à protéger New York, nous ne pouvons plus tolérer l'anarchie dont Spider-Man et son engeance font la promotion. Ceci est notre ville. Et nom de nom, nous allons la reprendre. Jameson aussi, il est chaud. Il veut toujours ma peau, celui-là. Allez, on se rend à la mission de Otto. Viens là, petit pigeon! Allez, c'est parti. Alors, on joue Peter Parker en mode scientifique. On va aller voir Otto. Et j'ai hâte vraiment de savoir comment Otto va partir. Bonjour, en couille. Mais vous le saurez dans le prochain épisode. À plus dans le bus et à bientôt dans le